Ça fait longtemps que vous pêchez les silures sur ces secteurs de Seine? Ça fait quoi, 4 ans, 4 bonnes années qu'on pêche à ce secteur-là, parce qu'on on a voulu se rentrer un peu plus dans la banlieue, au cœur même de Paris, et on a remarqué qu'il y a beaucoup plus de poissons. Et dans ce cadre un peu voilà, urbain, ça change, et on voulait s'y mettre. Hein. Il n'y avait pas grand monde qui venait là, et on a vu que ça valait plutôt bien, ça valait le coup, on a eu des bons résultats. Et vous en êtes arrivé comment à pêcher le silure? En fait, moi, à l'époque, je pêchais énormément la carpe et une silure avec mon père, mais en plan d'eau. On avait mis en place des silures dans un plan d'eau privé pour réguler les poissons chats, etc. Et ils ont commencé à être de belle taille. Avec mon père, on les a pêchés au posé en utilisant les méthodes de la pêche à la carpe. On a développé en pêchant la sardine, des choses comme ça. Mais j'avais jamais retrouvé l'approche que tu nous avais montrée à l'époque avec Alban, sur cette vraie pêche en verticale au plonk que j'ai eu la chance de découvrir en Yougoslavie en 90. Et c'était toujours resté gravé dans ma tête. J'ai jamais retrouvé cette pêche-là en France, et du jour au lendemain, en fait, j'ai vendu tout ce que j'avais en matériel à carpe pour m'acheter mon premier bateau et commencer à m'inspirer de cette technique et à mettre en pratique sur notre bonne vieille Seine. Moi, ça, c'est autre chose, mais au moins c'était carnassé pur, mais ouais, cendre, brochet, perche. Beaucoup du bord, et moi j'avais ma première barque là, donc je commençais à avoir un peu plus de liberté, et forcément en pêchant le cendre, ça arrive que tu touches un silure, c'était mon premier silure, c'est une sensation de fou, mais t'arrives pas à le sortir quoi, t'es sur de la 13-12 centième, malheureusement c'est le jeu, et ça casse, hein. Ça casse à la fin, et ça m'a tellement travaillé, tu vois, le premier, ce jour-là j'ai enregistré 4 sur 2, je dis bon allez, alors que j'achète le matériel qui va bien, parce que c'est un poisson qui va commencer à m'attirer. Et après, ce phénomène de DVD, silure, leur stratégie là, avec, ça fait avec plaisir, toi, ça. Ouais, avec Jean-Claude, Romain à l'époque, c'était quelque chose qui m'avait vachement marqué. Et j'avais bien aimé cette approche-là, verticale. Ça a contribué à développer cette passion. Ça, carrément. Ouais. Moi, si j'ai commencé à pêcher le silure, c'est parce que j'ai vu les premières vidéos de Jean-Claude Tanzili aussi. C'est ça. Tu vois, moi, basé à Lyon, Jean-Claude Tanzili, pêcheur lyonnais, voilà. C'était ses premières vidéos, les premiers articles dans les journaux et tout. C'est quelque chose, pour moi, ça a été moteur. Donc je comprends bien, ça contribue à alimenter la passion. La passion, elle est là. Ce poisson, il intrigue. Mais le fait de voir ces images-là, Ça m'est toujours. Ça crée un rêve, en fait. Ça crée un rêve. Ça crée un rêve. Et de là, t'as vraiment envie d'aboutir à ce rêve. Et du coup, tu donnes tous les moyens. Ouais. Et quand tu y arrives, tu fais tes premiers poissons à 1,60, 70 sur du matériel adapté. La passion après a une autre dimension. Et que c'est pas du rêve, c'est une belle réalité, ça fait plaisir, il y a du potentiel avec ces silures, il y a de quoi faire. Il y a vraiment une belle pêche sportive à développer, et franchement vous en êtes un petit peu, vous incarnez un peu cette pêche sportive, parce que moi ça me fait plaisir aussi de voir des gens qui mettent au point des méthodes, qui sont à fond dans ce qu'ils font, quoi, qui maîtrisent bien leur secteur. T'as vu comment il est venu, regarde Xav. Tu vois, je vais le faire, regardez bien. Il y avait un client. Regardez bien. Vous allez voir comment on déclenche. Regardez bien. Je me lève. Tu t'es bien levé. Dans un bateau, il faut être très prudent. La sécurité avant tout. Alors, le port du gilet, préférable. Et préférable que quand tu te lèves comme ça, et pendu. Voilà. Voilà, tu vois. Et ben voilà. Voilà, alors là, toujours là. S'il faut, et puis, c'est plus sympa déjà. Ah, c'est plus sympa. Ouais. Ah voilà, là il y a bon. Là il y a bon, ça siffle là. Il avait dit, t'as eu un bon mort, c'est un joli poisson. C'est un joli poisson. Ouais. Donc là, tu vois, la sécurité, ça paye. La sécurité, ça paye. Ça fait.
parisien. Silure sécurité. Ah ouais. Ça c'était. Nous a entendu celui-là. En fait, le silure parisien, je pense, il est légèrement plus visqueux que le silure lyonnais. Légèrement. Non, c'est des beaux poissons, il y a vraiment du potentiel. On se rend compte là que. Bon, faut bien connaître les coins, mais là, ils nous emmènent sur des coins qu'ils connaissent bien. Et c'est vrai que. Il y a du poisson, on a pas mal de touches. Ça monte tout doucement en taille. Voilà. Bien joué. Trop fort le Mitch. Ah, il me met mal là. Mais il te met la misère là. Pêche à la ronde, vous allez. Je vais m'en occuper. T'as senti la touche là? Oh, je me suis dit. Il l'a tapé entre deux os. C'est un joli poisson, il peut en faire décoller des beaux. C'est bon la pêche au silure, c'est bon ça. Voilà, c'est combat. Combat. Celui-là, on peut l'emmener là. Là, il est bon. Ah, pas là. Je crois que je vais plonger un moment. Attention à ton pied, vous voyez. Il y a la poche, hein. Ah bah voilà, ça c'est un beau glinglin ça. Le v'là le beau. Elle va bien ce petit. Ah ouais, la jolie. Belle action. D'explosion finalement. Ouais. Hein, il y a quand même une sacrée densité de silure. Hein, on n'a pas croisé énormément de bateaux de pêche. Quand même, même si l'espèce elle est installée ici depuis plusieurs décennies déjà, mais il y a quand même des populations importantes et des poissons assez jeunes. C'est vrai que moi par rapport à la petite expérience que j'ai, si on veut revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avant. C'est vrai que d'autres rivières ont connu, avant la Seine, cette explosion du silure. Hein. En France, hein, on se rappelle que c'est le bassin Rhône-Saône, puis celui de la Loire. Alors pour tout vous dire, c'est vrai que c'est un petit affluent de la Saône qui a au départ vraiment fait parler de lui. C'est une petite rivière qui s'appelle la Seille. Au moment, on va dire, de la fin des années 70, début des années 80, c'est dans cette Seille où il y a eu vraiment la première grosse explosion de silure. Et c'est vrai que cette seille, vu sa petite taille, ben une population de silures qui commence à coloniser la rivière, ça ne peut pas passer inaperçu. On va dire à la fin des années 70, mais surtout dans le milieu des années 80,
elle a vraiment défrayé la chronique avec en permanence des captures de silures qui à l'époque semblaient des poissons énormes, des poissons 1m60, 1m70. Démesurés par rapport à la rivière. Démesurés, voilà. Il se passait pour une semaine sans que dans le journal il y ait la capture d'un silure qui faisait sensation. Donc c'est vrai que c'est, dans cette rivière, on s'est vraiment rendu compte de l'explosion de l'espèce. La saille, je la pêche depuis que je suis tout petit en fait. Parce que j'ai toujours habité au bord de l'eau, mon père étant éclusier, mon grand-père, moi-même maintenant. Et donc la saille, je la pêche depuis que j'ai 2 ans devant chez moi. Et c'est vraiment une rivière capricieuse, dans le sens où les poissons sont très lunatiques du matin, très actifs à l'après-midi, complètement amorphes au fond et aucun écho. Mais c'est quand même une rivière qui est passionnante et elle nous réserve de belles surprises en matière de belles tailles de silures. La légende raconte que les étangs de l'Échrou auraient débordé dans la Sanne et la Sanne aurait empoissonné la Seille en silure, et la Seille la Saône le Rhône, et par les canaux qui existent sur le réseau hydrographique français, toutes les rivières françaises auraient été peuplées comme ça de silures. Donc on ne sait pas vraiment la réalité des choses, parce que ce qui se passe au fond des rivières, il n'y a personne de nous qui peut vraiment être absolument certain que les choses se passent d'une certaine manière. Tu vois, moi, Jérémy, ça me fait vraiment plaisir de poser du beurre en seille. Ah oui. Parce que vraiment, j'ai souvenir quand j'étais tout jeune que c'est vraiment le lieu mythique, tu vois. Pour nous, Lyonnais. C'est ça qui t'a un peu incité à pêcher ce poisson aussi, peut-être. Bah oui, un petit peu. Voir les anciens en prendre et tout. Exactement. Et puis voilà, puis toute la médiatisation qu'il y a eu autour de ce poisson aussi. Ouais, au début, ouais. Parce que tu sais, à Lyon, il y a Jean-Claude Tanzilli aussi, il faisait des sacrées captures. Ça faisait rêver un peu. Bah oui. On est venu, moi, en 93, là, je suis venu avec mon père. On a fait une semaine à dormir dans la voiture. On n'a quasiment rien pris. Mon père est peut-être une sciatique. Mais c'est vrai que bon, bah, d'avoir des cannes posées ici, ça fait plaisir et ça rappelle des souvenirs. Parce que tu n'étais pas vieux quand je suis venu la première fois. Bah non, si c'était en 93, j'étais pas vieux du tout, non. T'avais quel âge? De 3 ans? 3 ans. Bah, en tout cas, il y a des silures, ils sont plus vieux que toi. Là. Ah bah ouais, je crois. Ça, c'est certain. D'ailleurs, je crois que j'en ai déjà pris des plus vieux que moi, mais... C'est bien possible. Mais d'ailleurs, c'est ceux-là qui sont pas faciles à prendre en seille parce que... T'as bien vu, les échos, ils étaient rares. Ils étaient très rares. Ouais. Le peu qu'on voyait, ouais. Ils étaient rikiki. Ils étaient collés au fond. Et puis, on a déclenché une touche au vert. Ouais, c'est vrai. Un énorme poisson. Un énorme en plus. Non, mais voilà. Ton plus gros, là, dans la seille. Mon plus gros, moi, il faisait 2m38. C'est un poisson que j'ai pas pesé, mais... Un vrai big. Un vrai gros... Un vrai vieux de la seille. Ouais. Après, dire s'il y a des plus gros ou pas, j'en sais rien, sûrement. Je peux pas dire le contraire. On peut imaginer. On peut imaginer, parce que s'il y a quelques poissons vivants, je pense que... De ici, l'époque, ils doivent être, ouais. 1977, ouais. Il se prenait... Moi, je peux te dire qu'en 1977, dans la Sanne, il s'est pris 1m60. Ouais, ouais. Donc, c'est déjà des poissons qui ont une douzaine d'années. Donc, t'imagines. Ouais, tranquille. Ouais. Donc, bon... Ils sont peut-être sûrement plus là ou on ne le sait pas. Mais il y a des poissons des générations. Il y a des poissons très vieux, voilà. Sûrement. Quand il y a eu l'explosion vraiment là dans la rivière, hein, ouais. Vraiment il y a eu une explosion dans la Seille. Hein. Ah c'est oui, vrai oui. Il y avait des populations de silures assez pour que les qui gens. Qui se sont d'ailleurs bien régulés maintenant. Bah oui. On a toutes les tranches d'âge de poissons, mais. On a en quantité, ça s'est vraiment bien régulé naturellement. Voilà. Alors que c'est un tout petit milieu. Alors que c'est tout petit, c'est... Voilà, c'est une toute petite rivière. Hein. Mais voilà, s'il y a encore quelques poissons vivants des années 80-85, là où il y a eu le gros boom, on peut imaginer qu'il y a des vrais... Ouais, c'est des très très gros poissons. Ouais.
Seille. C'est parti. Voilà. Direction la Saône. Un peu plus large, un peu plus d'eau. On va voir s'il veut être un peu plus joueur. C'est une rivière que je pêche, allez, on va dire, de fin mars jusqu'à fin janvier. C'est une rivière que je pêche une à deux fois par semaine. Donc, c'est une rivière que je connais plutôt pas trop mal, même si je la pêche habituellement un peu plus en amont, sur les secteurs un peu plus au nord, ça reste la Saône, quoi. Avec ses avantages, c'est une rivière magnifique, super large, qui a des gros poissons, qui a des poissons qui sont vieux, qui a une belle population. Ses inconvénients, c'est une rivière qui est très pêchée, il y a beaucoup de monde, elle est très capricieuse, les poissons sont de plus en plus difficiles. Mais je reste un passionné de cette rivière. Ouais. Et c'est vrai qu'ici, c'est une zone magnifique. Hein. Là, la corne de Vachon, hein, la confluence avec la Seille, c'est encore sauvage ici, c'est vrai que c'est agréable. Tu vois, des postes comme ça, là, sur cette plage, là, où si tu as la chance de venir, les eaux sont entre 20 et 25, les blancs aiment bien revenir sur les hauts fonds, il y a des herbiers. T'as des coups du matin et du soir à faire incroyable dans 2-3 mètres de flotte. Tu poses juste tes montages sur les premiers tombants et ça te fait des beaux poissons. Mais là, avec la température de l'eau, on vient d'avoir un coup de froid. Les poissons, ça va les caler. Ça, c'est sûr qu'ils vont, à mon avis, être dans les plus grosses profondeurs. Ouais, donc là, pêche très traditionnelle, j'ai envie de dire. On va direct atteler les postes les plus profonds. Plutôt avec des techniques verticales. Toujours des techniques verticales, on va essayer de passer, comme c'est des spots qui sont quand même très pêchés, on va essayer de passer premièrement discrètement, peut-être sans l'électronique. Si on touche rien, on passera avec le sondeur, voir si on pêche dessus ou si on pêche à côté. C'est là qu'il ne faut pas traîner et pas passer 150 fois à côté des poissons. Donc soit on va pêcher le lit du chenal et les virages là où ça a creusé, soit on va essayer de trouver des ouvrages d'art, de la pile de pont, des encombres, des bouées. Ouais, voilà, des postes assez classiques. Des postes marqués où l'humain a creusé il y a quelques années et où ça fait des belles tenues. Ouais. Mais sur les techniques verticales, il faut être peut-être un peu plus fin, passer un peu plus naturellement que sur des gros trous où tu peux gramer lourd, mettre tes appâts bien à l'aplomb. Là, il va falloir peut-être être un petit peu plus fin, réduire en diamètre, réduire en grammage, et puis essayer de les déclencher comme ça. Quoi. Donc là, on va partir en perpendiculaire de la rivière. Tu vois, on n'a pas d'eau, et on va arriver au chenal. La caractéristique d'ici, c'est que le chenal, c'est vraiment un tombant net. Et nous, on va essayer de les pêcher le plus près possible du premier tombant. Ah yes, c'est parti. Là, ça casse. Là, on a le premier tombant. On tombe sur le chenal. Voilà, là, on va dans le tombant. Donc ça continue et ça va être la démarcation du coin, c'est ça quoi. C'est-à-dire qu'on va essayer de venir les pêcher sur toute la dérive là, on a 100-150 mètres. On va essayer de la pêcher entre ici et ici, voilà, jusque là. C'est là où ils ont la possibilité de se planquer, de venir soit s'alimenter en chenal si les poissons transitent, soit de remonter pour tanker les poissons fourrage qui seraient venus se mettre ici dans les herbiers qui sont en train de croître là. Donc c'est vraiment le spot qu'on a à pêcher ici sur un fond monotone comme ça. Donc on n'est pas dans des grosses fosses comme tu connais super bien à 9, 10, 15 mètres où là on a des grosses boules. Là on a une coulée qui va faire 100-150 mètres et on a cette démarcation caractéristique. Il va falloir la suivre le plus précisément possible et puis espérer que bah, dans ce premier tombant on ait un ou deux poissons qui sont en train de manger et qui veulent bien de nos montages. Quoi. Wow, il est gros. T'es dessus? Ouais. Allez, celui-là faut le prendre. Allez. Allez, prends-moi ça. Allez, ça y est, il est là. Attends. Ah, c'est pourquoi je dis ça, parce que j'ai senti mon... T'as envie de se bouger. Ouais. Il y a encore, hein. Ouais, il y a encore dessous. Il est dessous. Là, ah, ça va prendre. Tu le sens, ça? Ouais. Pris? Non. Ah, putain. Allez, d'ailleurs. Calme. Oh, c'est pas grave, on prend. Bah dis donc, il nous a fait du cinéma celui-là. Hein. C'est moulin. Eh ben. Bon, on voit qu'ils sont durs. Hein. On voit qu'ils sont durs. Tu passes 3 minutes à jouer avec avant qu'il enquille. Quoi. Mais bon, tout doucement, ça monte en taille. C'est déjà ça.
c'est du lourd. Il est beau celui-là. Celui-là, c'est mal. Ouais. Il revient déjà ? Il est déjà plus beau. Ouais, c'est lourd. Ouais. Impeccable. Bah, c'est bien. Une bonne taille de la faune. Ouais, c'est de toute façon ça. Il est la plus cher. On va peut-être avoir un petit passage d'activité. Ouais, là, moi, j'ai vu de l'eau tout de suite parce que j'ai habité sur les bords de Saône devant un grand barrage. J'ai grandi là dans les années 50, 52 jusqu'à 61, on est resté là. Mon père était pêcheur, il descendait et quand il prenait du poisson, c'était pour le remonter à la maison et on le mangeait. C'était l'époque de l'après-guerre. Mes parents ont connu la guerre et remettre un poisson à l'eau, c'était un sacrilège à l'époque. Donc j'ai grandi dans cette ambiance. Et après, progressivement, je me suis habitué à le faire. Mais au début, voilà, j'ai pêché dès l'âge de 4-5 ans. J'ai commencé vraiment à le suivre. Et puis après, ben, j'ai progressé là-dedans. Et ça, ça ne m'a jamais passé. J'ai toujours cette animation en moi. Quand je vois un poisson sondeur, quand je vois un gobage à la mouche, quand je vois la touche sur un flotteur, c'est toujours aussi fort. Je suis toujours comme un enfant qui vient de recevoir son premier cadeau. Ça, c'est... ça me lâche pas. Alors tu vois, les premiers silures que j'ai fait dans ma vie, ça remonte aux années 82, hein, les premiers jolis silures, eh ben, c'était sur la Saône. C'était sur la Saône au niveau de Lyon, et puis après 83, 84, j'ai commencé à pêcher tout ce secteur-là, la Seille, et je m'y intéressais vraiment, vraiment à ce poisson. Et la Saône, vraiment une rivière merveilleuse. Et à l'époque, j'avais les moyens d'acheter des bateaux déjà très puissants, modernes, ce qui m'a permis un petit peu d'exploiter la totalité de cette rivière en profondeur, de connaître un peu toutes ces topographies des fonds et de localiser les silures. Quel poisson merveilleux que je venais de découvrir. Hein. J'en avais seulement entendu parler à l'époque, c'était fabuleux d'avoir un poisson comme ça au bout de la ligne. Hein. Mais à l'époque, bien entendu, pas de presse. Du nylon, des nylons de pas forcément de bonne qualité, on avait énormément d'échecs, de casses, mais c'était merveilleux quoi, un nouveau poisson qui arrive dans la vie d'un pêcheur, c'est merveilleux. Et alors au tout début, l'approche des spots, c'était par rapport, si tu veux, à la connaissance des fonds en exploitant la pêche du sandre. Voilà, je savais qu'il y avait des endroits où il y avait beaucoup plus de fonds qu'ailleurs, et c'est souvent sur ces zones-là que je commençais à toucher des jolies silures. Alors j'ai compris très vite que ce poisson affectionnait des lieux plus profonds que d'autres. Alors par rapport à ça, j'ai commencé vraiment à chercher tous les postes à fond. Et en 88 à peu près, alors vous voyez, c'est en 88, j'ai acheté mon premier sondeur qui m'a permis vraiment d'aller voir les fosses, de les connaître, de les noter, de les répertorier sur tout l'ensemble de la Saône, de Lyon à l'époque jusqu'à Verdun-sur-le-Doubs. En fait, tous mes postes avaient des noms en fonction des moments vécus, mais aussi à des repères que je localisais sur les berges. Je prenais un angle, par exemple, de maison, je l'associais avec un arbre. C'était tout comme ça, et à l'instinct, à la distance du bord... Il fallait aligner deux repères. Fallait, hein. Voilà, ouais. J'avais des tenues de silures annuelles, où on les trouvait quasiment toute l'année, par rapport, bien entendu, aux éléments, aux crues et tout, en fonction des zones hivernales et tout. Et j'avais aussi les tenues d'hiver. Alors on appelait ça les grandes concentrations hivernales, où des fois il pouvait y avoir 200-300 sujets sur le même trou. Hein. Et ça, j'ai vécu ça des dizaines de fois. Aujourd'hui, c'est terminé ça. Il y avait une explosion très forte, les poissons n'étaient pas éduqués,
Et puis les poissons affectionnent les endroits plus que d'autres, et à force de les avoir pêchés sur ces zones, il est évident que le poisson a associé ces zones de pêche au danger, et après il y a eu plus d'éclatement. Le poisson s'est éduqué. La Seille et la Saône sont des beaux exemples. Je pose la question à Xavier qui vient de pêcher en Seille, là, il y a 2-3 jours, Xavier. Tout à fait. Est-ce que tu as fait des pêches extraordinaires en... Est-ce que tu as vu beaucoup d'écho? Voilà. Et aujourd'hui, tout s'est régulé là-haut. La Saône, c'est pareil. Le Rhône, eh ben, les poissons commencent à vraiment s'éduquer. Avec le temps, la pression de pêche, mais il n'y a pas que la pression de pêche. Il y a aussi le phénomène que la nature est bien faite. Il y a des maladies. Le silure a aussi des prédateurs, et lui-même déjà, à partir d'une certaine taille, on a du cannibalisme. Souvent, j'ai trouvé des jeunes silures à l'intérieur d'estomacs de gros. Et c'est comme ça, il y a des équilibres, des déséquilibres. La nature est faite ainsi depuis la nuit des temps. Et si, de toute façon, on avait voulu faire des vraies campagnes d'éradication de l'espèce, ça n'aurait servi à rien. Il faut laisser faire le temps, la nature. Alors, quelquefois, sur une génération, c'est vrai que les gars, ils les voient arriver dans les étangs des lacs du Cantal, de partout. Ça fait peur à tout le monde. Oui, on prend que ça. Eh bien, c'est peut-être pas sur une génération que ça va se réguler, ça sera sur la prochaine génération. Laissons faire la nature. Arrêtons de la bousculer, de vouloir gérer ci et ça, et veillez à ne pas polluer nos rivières, veillez à ce qu'elles restent propres, saines, et laissons faire le temps. Alors, par contre, il y a des très très gros sujets ici. Hein. Alors, bon, ces poissons qui ont sans doute été pris plusieurs fois, tous, hein. Tous ces gros sujets ont un certain âge. Les poissons qui ont 40 ans aujourd'hui, voire 50 ans, ils ont peut-être été pris 5, 6 fois, 7 fois, et bien tant mieux, parce que si chaque fois on prélevait les poissons qu'on prend, et bien ça serait une catastrophe. On n'aurait peut-être plus ces gros sujets pour se faire plaisir de temps à autre. Et heureusement que le silure a une mauvaise réputation au niveau de sa valeur culinaire et marchande. Finalement, ça nous arrange aussi, parce qu'il y aurait encore des pêches intensives de silure par des pêcheurs professionnels. Tu vois, c'est merveilleux pour un pêcheur de prendre des poissons comme ça. Écoute, j'ai été pêcher dans l'océan Indien il y a quelque temps. Je me suis fait plaisir sur des thons, sur des céréoles, sur des caranques, sur des coryphènes. Mais franchement, trouver chez soi, en France, chez nous, à proximité de chez nous, se faire plaisir comme ça, en eau douce, en rivière, c'est merveilleux. Et puis, bon, c'est un poisson d'émotion, c'est quand même la locomotive de la rivière. Hein. Je me suis fait plaisir sur les poissons de mer. Mais retourner au silure, c'est mon cheval de bataille, il n'y a rien à faire. C'est dans mon sang. Là, il y a 3 générations. Les générations, ils sont toutes là. Alors, il y a le conflit des générations, mais ce qui est merveilleux... Il y a l'entente. Il y a l'entente. Mais là, il y a la retransmission d'une passion entre générations. Exact. C'est merveilleux, ça. Bien droit. Tu te feras moins mal. Voilà. Bien droit. C'est bras tendu. Regarde, c'est ça. Il a vu la lumière. Voilà. Allez, le voilà, ce poisson. Ah oui, ah oui, ah oui, il est beau. Allez, je vais le monter. Je vais le monter. Ouais. Tu montes. Un 80. Un 80, 85 à peu près. Ouais. Et là, voilà. Bon, mais il t'a fait un beau combat. Un beau poisson de la Saône. T'en comptes, on vient de faire une journée de 7 heures. Il a jamais décroché sa canne, il est toujours dans sa pêche, il suit les fonds, il n'a pas besoin de le prendre par la main pour lui expliquer. Ça va être un bon. Allez, pas me tronquer ta place. Malheureusement. Ah, froid aux joues là. Ah, froid aux joues.
On a du 2 mètres là. Là, c'est un trophée, ce qu'on a touché. 3 fois ce poisson, je le fais. Il est trop facilement reconnaissable. 3 fois, je le fais. Un trophée, la gueule, tu verras toute la platine. C'est hallucinant. Ça a été ouais avec Sophie là. Oh bien. Ouais, ouais nickel. Ouais. Elle a fait son premier silure. Il lui a mis la misère. C'était bien rigolo. Ouais. Non, puis bien, puis tu vois, elle y a mis son cœur. Oh putain. Oh la vache. Oh mais je dois être accroché là en fait. Oh la vache. Ah, la vache. C'est une blague. Non mais c'est une blague. C'est ce qu'il se dit, donc je suis entre de bonnes mains, là c'est bon. Je compte sur toi pour faire mon premier là. Prête mon sac à main, fais-y très attention. Ah ouais d'accord. Dernier kilomètre de Saône, c'est la confluence avec le Rhône. D'accord. Donc la Saône, elle finit sa course ici. Là, il y a de grandes chances qu'on trouve une troupe de gros silures qui évoluent sur ce secteur de la confluence de Lyon. À cette époque de l'année, on devrait plutôt les trouver côté Rhône, parce que tu as vu, la Saône, elle n'a pas beaucoup de débit. D'accord. Il y a eu une grosse canicule, là, il y a eu très peu d'eau, très peu de précipitations. Donc du coup, le Rhône étant naturellement plus oxygéné, il y a plus de débit d'eau. Donc, il y a de grandes chances qu'on trouve les silures là-bas. Et quand tu parles de gros, c'est dans les combien? Gros, c'est gros. C'est plus de 2 mètres en même. D'accord. Donc des poissons, voilà, entre 50 et peut-être le double. D'accord. Kilos, je parle. Hein. Oui, oui, oui. Ok. Bon, on va voir. Donc ça, c'est un plomb sabot épingle. Et là-dessus, on va piquer un poisson. Ok. Puis le but du jeu, ça sera d'aller au fond. Et de remonter. De remonter. Le montage, on va d'abord mettre un bout de bas de ligne. Sur la tresse de ton moulinet. Donc là, je fais un nœud en 8. Tac. Voilà. Sur la tresse du moulinet. Merci. Là, je double. Et je fais un nœud assez classique le long du gros diamètre. Les deux viennent embuter. Et puis ça tient vraiment. Okay. Et c'est quoi ça comme matière? La matière, c'est du guinéma. C'est la même chose que la tresse, mais c'est du D'accord. gros diamètre. Okay. Le but, en fait, c'est surtout de jouer sur la section pour l'abrasion des dents. D'accord. J'ai juste passé, tu vois, le plomb sabot dans le bas de ligne. Ensuite, je mets ça là pour faire une butée, tu vois, ça va venir contre. Okay. Je vais accrocher l'hameçon trip. Ça rigole pas déjà. Ça rigole pas. Le plomb sabot, il coulisse sur le montage. Okay. Et après, avec un nœud, on va le régler en fonction de la taille du vif. Hein. Là, j'ai le contact avec le fond. Tac, okay. Ici. Donc, tu récupères de façon à mettre ta pointe à ralo. Voilà, avoir le contact quand tu as la pointe à ralo. Comme ça, quand D'accord. tu lèves, tu sais à peu près à quelle hauteur tu travailles au-dessus du fond. Tu vois okay. ce que je veux dire? D'accord. Et puis, ça te permet d'avoir la canne basse en cas de touche pour okay. faire. Donc, premier passage, je vais mettre quelques coups de plomb. Ça fait la différence. C'est vieux comme tout, ça. Mais ça marche encore. Temps en temps, tu vois. L'été, quand les eaux sont chaudes, les poissons sont claqués, ça permet des fois de les faire décoller.
première fois que tu viens à Lyon ? Première fois que je viens à Lyon aussi. Première pour tout. Alors tes impressions ? Bah j'appréhendais. T'appréhendes ? J'appréhende toujours. J'attends le moment de la touche avec impatience. Là on est sur une zone favorable, alors ça pourrait être rapide la touche. Tu vois ici c'est un silhouette. Hein. Tu as vu la masse. D'accord, rouge, là, ouais, ok. Mais ça lui a pas plu quoi. Regarde là, il y en a un autre. Tu vois la masse rouge là ? Ouais. Alors tu vois ce qui monte là, comme ça, bien rectiligne ? Ouais. Ça c'est des bulles. D'accord. C'est que quelque chose a dû brasser le fond, la vase. Alors ça peut être un silure. Et ça libère des bulles de méthane. D'accord. Là il y a quelque chose qui s'est décollé. Ouais, des silures, il y en a pas mal. C'est normal d'en voir. Des fois, t'en vois plein avant qu'il y en ait un qui fasse à l'attaque. Des fois, t'en vois 50 et c'est le 51e qui te met la craque. Ah, ça suit le tien. C'était balèze aussi, ça. Il est dessus encore. Hein. Venez chercher la belle tanche. Ouais. Tanche comme ça, dis donc. Il nous suit. Tu l'as vu, lui ? Oui. Tu me fais peur, toi aussi, tu me fais stresser encore plus. Regarde les bestioles. Oui. Ah, mon pot est pas grand chose. T'as eu la touche ? Je sais. J'agite, mais... Ouais, tu l'as vu ? Ouais, putain. Oulala, c'est un big. Non mais ça peut être des petites touches furtives comme ça ? Ouais. Mais attends, parce que moi je m'attends à un truc de fou. Je m'attends pas à un petit truc comme ça. Moi, je veux que ça me remonte la canne et qu'on me dise, là, faut que tu remontes, quoi. D'accord. Tu veux que t'aies un gars sérieux qui sait donc... Et qu'ils me disent, là, faut que tu lèves ta canne. Ouais, putain. Oh, putain. C'est une blague. Non mais c'est une blague, sérieux. Oh la vache. On va le faire. Non, elle était là, mais je m'attendais à... Vache. Oh la vache. Ouais. Ah, ça va mieux là. Ouais, ça va, ça va. Ça y est, c'est bon. Ok, d'accord. Ok. Oh. Non, mais là... Oh, mais je dois être accrochée là, en fait. Oh, la vache. La vache! Tu moulines en même temps que tu baisses. Et voilà, et tu tiens la pression. Hein? Ouais. Ça va bien? Ouais, ça va aller. C'est bon pour un premier et t'attaquer. Allez, vas-y. Tu sais que c'est lui qui va avoir ma peau en fait, je crois. Ouh la vache! Ah ouais! Allez, vas-y, va. On voit la balle. Regarde là! Oh là là!
C'est bon. Cherche pas à lui remonter plus de fil. Tiens la canne, lâche pas la canne. On va lui relâcher un peu de fil parce que là tu l'as. Ouais. Garde-le dans l'eau comme ça. Ouais. Oh la vache! Ah bah là il t'a mis. Oh mais il t'a mis rassé là! Celui qui me dit que la pêche c'est pas un sport. On aura de la flotte, ça serait pas mal. Allez, ouvre le pick-up, mon nez. Je l'ouvre ? Ouais, ouvre le pick-up. Ok. Attention. 1, 2, et 3. Allez. Ah. Eh ben, il y est. C'est pas vilain ça. C'est pas vilain. T'en faisant 5. J'y croyais pas, mais là, ça y est, c'est fait. Faut que l'émotion retombe là. Ah bah ouais. Le premier est fait. Place aux autres maintenant. C'est bon. C'est bon. Non, mais c'est pas mal. J'ai l'aile défoncée, je sais pas comment faire. Bien joué. T'as besoin de 5 plein de mucus. Eh ben voilà. Ah. Il est plus de carottes là, c'est fini. Tu le tiens. Ah, moi j'ai une règle hein, quand quelqu'un est dans mon bateau. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Elles sont pourries tes règles, Xavier. La canne, et c'est gros 6 hein. Je sais pas. Oh, non, mais. Tu sais pas. Reste tranquille, Pépé. Non, il a pas envie de rester tranquille, lui. Mais elles sont pourries, tes règles. Tu cherchais une excuse pour lever ton siège. J'ai l'anneau, là. Ah, mais là, j'arrive pas à manger. Mais tu arrives. Il nous a habitués à... J'ai pas trop envie de forcer avec lui, tu vois. Ah je sais pas pourquoi. Ah ouais. Moi non plus, je sais pas pourquoi. Allez, vas-y. Oh là la vache. Oh, mon Dieu. Oh, bah, on est mal avec ça. On est très très mal. Pourquoi? Non mais. C'est pas fini là. Pourquoi c'est pas fini? Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas fini? Non mais si c'est. Non, c'est pas fini, non. Je crois que les deux mètres, ils y sont aussi. Hein. Ah, bah là, voilà. Ah ouais, je crois qu'ils y sont aussi. Hein. Là, c'est une vieille bûche. C'est une vieille bûche. Ah, il est pas mal. Hein. Ouais, il est pas trop mal. Bien joué, vieille branche. Il est gros le bordel quand même. La carotte, hein. La carotte. Oh. La carotte, c'est nous qui lui avons mis là, la carotte quand même. Hein. Ça, c'est ça, beau c'est ça. C'est un vrai gros. Hein. Oh la vache, il est immense. Quand je vais pousser ton sac à main, bah. Déranger le sac à main, parce que tu comprends, on risque de salir. À quoi sert cette petite tape? À voir si... Il lui reste un peu d'énergie. D'accord. Pour me mettre la misère. Ok. Si tu veux,
préfère que ça se passe dans le calme. Attention. Ça va aller. Mets-toi de l'autre côté. De l'autre côté. Ouais. Belle bête. Regarde ça. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Hein. Ouais. C'est quand même une sacrée bête. Pas un pet de gras. Félicitations pour ce petit ferrage qui était plutôt pas mal, c'est tu pas vois. Pas mal, hein. Ouais. T'as vu, un petit déhanché. Bon, allez, photo. Photo et mensuration. Et mensuration. Ouais, quand même. Et de 1. Et de 2. 2,27 m. C'est pas des petits, hein. C'est pas mal, c'est toi. Tu vois, je commence à t'habituer maintenant. Bise bon, tout poisson, compliment. Mais bise quand même. Bravo. C'est bon la pêche au silure. C'est très très bon. Verticale, c'est vrai que pour la pêche en bateau comme ça, quand on est sur des secteurs canalisés où il y a du fond, des techniques qui sont relativement rentables, payantes, ouais. Payantes, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine variante à faire sur ces, ouais. Sur ces techniques. Bah, c'est pas des grosses variantes, mais c'est des fois, la petite variante va faire la exactement, ouais. Le fait de manier, les animations, la taille des apports. C'est ça. Voilà, là, on a joué sur plusieurs tailles d'apports aussi. Hein. Taille d'apport, les grammages, différentes espèces, différents montages. Hein. Mmh. Quand tu nous as montré ce montage avec la palette là. C'est une monture planante avec une bavette en fait qui va varier en fonction du grammage, qui va varier par rapport à la taille du vif. Bon là effectivement comme tu as pu le remarquer, on n'avait pas de débit, donc on pêchait avec des grammages vraiment très légers, avec des petits appâts, de façon à ce que ça plane bien, que ça soit assez virevoltant en fait, ouais. Sous l'eau. Le but c'est ça, c'est d'essayer de jouer sur leur agressivité. Ça redescend en fait en feuille morte, ouais. Et quand on tire, ça, avec cette palette, ça fait déplacer un volume d'eau qui est assez important, ouais. Et ça peut déclencher... Ça rend l'apport un peu plus repérable. Ouais voilà. Après, sur des approches plus discrètes, qu'on pêche depuis un petit moment avec Mitch, c'est des approches qui marchent bien, c'est ce type de monture, où là par contre il n'y a pas de palette, le plomb est entièrement en fait dans le poisson. On s'est inspiré un peu de la monture en fait du verron manié, c'est un plomb interne, verron manié pour la truite, et je me suis dit, vu comment ça nage, comment c'est attractif, pourquoi ne pas l'adapter pour le silure. Puis après, bah voilà, en fait, ce qu'il en est sorti en partageant en fait les connaissances de chacun et du coup, on a réussi à finaliser sur un produit qui est sympa comme ça et qui permet d'avoir des grammages qui sont interchangeables suivant en fait la taille du vif. Pour moi, effectivement, le réel intérêt de cette monture, tout le plomb dans la porte. Ouais, voilà. Il est pas apparent. Tout à fait. Voilà. Donc toi, tu manies un poisson. Le silure, il a qu'un poisson. Le seul métal qu'il y a sur ton poisson, c'est éventuellement le petit émerillon devant, oui, voilà, et l'hameçon trite sur le dos. Ce qui est vraiment plaisant, c'est comme on a pu le voir, c'est les touches. À chaque fois, c'est des touches un peu comme les touches qu'on peut avoir au leurre. C'est vraiment l'agressivité du réflexe du poisson et qui, à la verticale sous le bateau, te prend comme ça et ça te met une décharge. We'll be right back.
Mais bon. La Seine, c'est vraiment une rivière qui a un super potentiel. C'est très intéressant à pêcher. Il y a des fonds variés, des dérives très sympas avec des structures et beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de silures. Alors, c'est peut-être une phase. On est peut-être sur une explosion plus récente de l'espèce. Et c'est vrai que là, sur la Seine, je pense qu'ils vont vivre quelques belles années de pêche. Ça fait bien plaisir de voir un potentiel pareil en silure et en toute espèce de poisson, parce qu'il y a vraiment des pêcheurs. On voit beaucoup de poissons blancs se prendre, beaucoup de sauts, beaucoup d'activités, il y a beaucoup de carpes aussi. Donc vraiment bien, je suis très content de cette session. En général, quand il y a cette explosion, quand il y a beaucoup de poissons, ça fait peur. Mais avec les années qui passent, pour avoir vécu ça chez moi à Lyon, tu as des populations qui s'étoffent, tu as des plus gros poissons, mais après tu fais moins de touches. Là on a pris des poissons de toute taille, des tout petits, les plus petits faisaient 80 cm, et puis après 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 40, 1 mètre 60, on a vu des poissons de toutes les tailles, jusqu'à presque 2 mètres. Toutes les pyramides des âges ne sont pas forcément toujours représentées comme ça. Ça c'est l'avenir qui nous le dira sur la Seine.